what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour le retour de course de la semaine. Donc cette semaine on va commencer par Auchan. On en a eu pour, alors, 88 euros quelque chose, je me souviens plus, 88,95 €. Il n'y a pas grand chose parce qu'il n'y a pas de viande. Il y a un petit peu de charcuterie, un peu de fromage, mais oui, il n'y a pas de viande parce que j'ai fait le plein la semaine dernière. Comme je vous ai dit, maintenant on fait un gros plein par mois. Et pour les fruits et les légumes, il n'y a rien du tout, à part des légumes surgelés. Juste des petits pois en fait, c'est tout, parce que le reste je vais les acheter au primeur. Je vais poser mon café pour faire des bêtises. Hop, je vous montre tout de suite. Donc les petits pois, je vais aller chercher mon menu aussi, je vais les mettre au congélateur. C'est pour... Chut. C'est... Alors je vais faire une soupe, en ce moment franchement il fait pas beau, donc je vais faire une soupe crémeuse au riz et au poulet avec des petits pois dedans. On y va, donc comme il y a très peu, je vais prendre au fur et à mesure ce qu'il y a. Je vous montre au fur et à mesure. Donc déjà j'ai repris 4 baguettes. En ce moment on les prend à Auchan. Donc c'est les baguettes saveur tradition française. Ça va, elles sont bonnes en fait. Bon après je fais du pain maison, mais c'est juste au cas où les enfants ont envie de pain pour déjeuner ou des choses comme ça, ou s'ils ont besoin de faire un sandwich pour l'école ou quoi, j'aime bien en avoir au congélateur. Et c'est aussi notre repas du dimanche en fait. Je fais des petites tranches dans les baguettes et on mange ça avec une tartinade. Ensuite j'ai repris des œufs, 2 paquets. On a repris du sucre pour Greg. Ensuite je vais refaire le gratin de crozé au poireau et au jambon. Donc j'ai pris du comté râpé. Franchement je ne sais pas chez vous, mais chez nous les rayons ils sont vides. Mais je me demande si c'est vraiment dû à, enfin voilà, la situation ou quoi, parce que il y a des rayons, par exemple le rayon italien, vous voyez, avec tout ce qui est mozzarella, tout ce qui est ricotta et tout, et ben tout ça c'était vide quoi, en fait il n'y avait rien du tout. Donc je me demande si c'est parce qu'ils sont bien livrés, enfin j'en sais rien. Alors je sais qu'il y a eu un souci avec un cargo il y a 15 jours, 3 semaines même maintenant, non? Il y a autant que ça? Non, je pense pas, c'était avant le confinement. Donc ça doit faire... Ouais, je sais pas trop. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça qu'on a des répercussions ou quoi? Mais c'est bizarre parce que c'est vraiment certains rayons. Comme là, le rayon fromage, j'avais l'impression qu'il y avait des trucs, il n'y avait plus rien quoi en fait. Donc pour faire ce one pot, j'ai pris des dés de jambon. Et je vais faire une tartinade de jambon pour dimanche soir. Donc j'ai pris aussi, du coup j'en ai pris 3 paquets. Il y en a une que je vais mixer justement pour faire ma tartinade. J'ai pris du skyr parce que j'en ai plus. J'ai attamé mon dernier pot. Et c'est, alors je le mange moins comme ça maintenant. J'ai tendance à manger des yaourts que je fais maison. Mais j'aime bien m'en servir quand je fais des sauces ou des choses comme ça, ou des trempettes. Parce qu'en fait je le mélange avec de la mayonnaise. Je trouve que c'est moins écœurant que de la mayonnaise. Vous voyez, mettons, comme là dans ma tartinade, je vais en utiliser. Je fais un moitié mayo, moitié skyr. En fait, on préfère. En fait, c'est une habitude que j'avais pris quand je faisais attention à ce que je mangeais, quand j'étais en rééquilibrage. Et c'est une habitude qu'on a gardée parce que c'est vraiment un truc qu'on... Au niveau du goût, en fait, voilà, c'est une question de goût. Après, on peut mettre que de la mayo, hein, mais voilà. Fromage frais. Ça, c'est pareil, je vais sûrement en avoir besoin. Dans une recette pour mon round post-strogonoff bœuf haché, j'en mets un petit peu, mais c'est pareil, c'est une chose que j'aime bien aussi avoir au frigo tout le temps, parce que pour faire des petites tartinades, des petites rillettes, ou pour manger comme ça aussi quand j'ai envie de petits déjeuners salés. Alors je suis passée dans le rayon fromage et j'ai eu envie de Madame Loïc au bleu, donc du coup voilà, j'ai pris du Madame Loïc au bleu. Un morceau de parmesan que je vais râper. Je suis désolée, je ne sais pas ce qu'il a marlé, mais voilà. Il est chiant. Ouais, il est casse-pied. D'habitude, on l'entend jamais. Là, voilà. Donc, parmesan que je vais râper.
de brie. Alors j'en ai pris deux parce qu'il y en a un, ça va être pour Greg et les enfants à manger comme ça quand ils ont envie d'un morceau de fromage. Alors ça leur arrive très souvent de manger du fromage à 4h. J'ai des... Enfin ouais, j'allais dire ils sont plus salés que sucrés, mais ça dépend quoi en fait. Mais voilà, le fromage ils aiment bien. Et j'en ai pris un deuxième, je vais faire une couronne, un brie avec une couronne de pain en fait. Ça va être notre repas de samedi soir. En fait, je vais faire toutes des petites boules de pain brioché que je vais mettre tout autour de mon brie et je ferai cuire ça. Je vous montrerai de toute façon dans un des vlogs. Les concentrés non sucrés, j'ai vu un gâteau que je voudrais tester avec ça. Enfin, un gâteau. Je voudrais tester. C'est un gâteau que j'ai déjà fait mais que je voudrais vous partager. Greg s'est pris du... C'est quoi ça? Du pâté en croûte pour ses petits apéros. J'ai repris des tablettes de bouillon de volaille. Alors ça j'en ai pas forcément besoin mais j'en ai plus. J'aime bien en avoir en stock quand je veux faire de la salsa maison ou des voilà ou même dans une salade ou quoi. C'est des poivrons grillés. C'est un des musts de mon cellier quoi en fait. À chaque fois j'en ai. Du beurre, ça c'est pareil, j'en ai toujours dans le frigo. Maroilles. Je vais faire des œufs cocottes au maroilles. Alors d'habitude je le fais avec de la crème de maroilles, mais là je vais faire ma crème de maroilles maison entre guillemets. Et on va faire des œufs cocottes avec ça. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Du chorizo doux en tranches. C'est pour... Je vais faire une pizza effeuillée. J'ai pris du poulet comme ça, déjà cuit et minci, pour une salade. Marley, il est gaspillé là ce soir aujourd'hui. Salade de blé au poulet à la mexicaine. Du jambon cru. Je vais faire des champignons farcis à l'italienne. Et en fait, il y a une farce avec du jambon cru dedans, des tomates séchées, du parmesan, de la mozzarella. C'est aussi pour ça que j'en avais besoin. Du javel. Mais alors, tu vas aller faire un petit tour dehors, te calmer toi. Du javel pour désinfecter. Greg va aller faire son travail là. Du sac poubelle. Alors deux tailles différentes parce qu'on a deux poubelles. On a une petite et une plus grande. Du gel pour les cheveux à Greg. Panaché. Juste, alors pour les animaux il y a juste ça parce que j'avais encore de quoi. Donc alors c'est pour Luna. C'est la soupe. En fait elle ne mange pas les morceaux. Et encore là elle nous les a laissés. Elle boit le jus et elle laisse les morceaux. Alors elle les aime bien, elle les mange, mais que le jus quoi en fait. En fait il faudrait un truc juste avec du jus. Elle laisse tous les morceaux. Donc on prend ceux qui a le moins de morceaux possible. Une bouteille de jus d'orange. J'ai repris du thé pour les enfants, pour leur bubble tea. Alors le préféré à Stacy, ça reste celui-là. C'est celui saveur mangue avec une touche de camomille. Donc là c'est pour faire avec les billes de thé là. Pour les bubble tea à la mangue. Et j'ai pris litchi et rose pour faire avec les bubbles à la mangue. Je me suis repris aussi de l'eau pétillante, donc menthe et citron. Mayonnaise légère, ça c'est pareil, j'en ai toujours au cellier. Dès que j'attame une bouteille, j'en rachète. Haricots rouges pour ma salade de poulet à la mexicaine de blé. Greg s'est pris de la vinaigrette comme ça à la moutarde parce qu'on n'en avait plus. Et quand il est tout seul à manger des crudités ou de la salade, enfin, même si c'est très rare qu'il est tout seul parce que souvent je l'accompagne. Mais voilà, il aime bien cette vinaigrette. Donc des crackers pour... alors là c'est le truc à Greg. Hein. Crackers, style tuc. Des petits 3D, des chips, ça ensuite des pâtes, donc des linguini, il les mange quand même, des linguini pour le wanpo stroganoff, des spaghettis pour ce soir, les pâtes à la bolo, du riz pour ma soupe, et j'ai pris aussi des tortiglioni, toujours au blé complet. Des crozets pour le gratin de crozets, poireaux et poireaux quoi, jambon. Des gaufres pour Greg le travail. J'ai repris deux plaques de chocolat noir parce que c'est pareil, j'aime bien en avoir dans le cellier. Là je l'ai utilisé pour faire le brownies. Un gros rouleau de sopalin et j'ai trouvé ma semoule extra fine. Donc j'espère que c'est la même que celle que j'achète au moulin et qu'elle fera l'affaire. Donc c'est bien écrit de blé dur, semoule de blé dur. Donc, mais je pense que ça a l'air d'être la même parce qu'il est bien écrit pour faire du pain et tout. Donc je pense que ça devrait aller parce que celle que j'avais achetée la semaine dernière,
C'était de la semoule, hein, c'était pas de la extra fine, donc du coup ça a pas du tout été. J'ai même essayé de la mixer et tout, et franchement le résultat n'est pas là. Bon allez, du coup voilà les courses des Auchan et on continuera avec les courses du primeur. On y va pour le retour de courses du primeur, on en a eu pour 29,69€. Donc en fait on a fait des petites courses cette semaine quand on calcule les deux. Donc du coup, oignons, 2 kg d'oignons. J'ai pris aussi de l'ail, donc c'est de l'ail frais. Voilà, pas besoin de dégermer celui-là. Parce que là, l'ancien, il commence un petit peu à devenir un peu noir, un peu pourri. Là, il est temps que ça soit la fin. Des gros champignons que je vais partir. Hop. 2 kg de carottes, 1 kg de poireaux. Pour faire le gratin de crozé, des céleri branches, bananes, deux mains de bananes, des petits champignons, ça c'est pour faire mon one pot stroganoff à la viande hachée. Alors ça je vais vous montrer après parce que ça fait partie du colis. Des petites tomates cerises, un poivron rouge, un poivron vert et un poivron rouge. C'est pour faire ma sauce pour aller avec mes côtes de porc. Et ensuite, alors je pense que le reste, tout ça, ça fait partie du colis fruits de cette semaine. Donc, à part les bananes qu'on a pris à part. Dans le colis fruits, donc à 10€, il y avait une barquette de fraises, 1 kg de pommes, 1 kg de poire, une mangue et 1 kg de clémentine. Voilà. Alors voilà pour ce retour de course de cette semaine. Donc en fait, quand on n'en a pas eu pour énormément cette semaine, on va dire qu'on en a eu pour 120€. Je trouve qu'on dépense moins depuis qu'on fait le gros au niveau de la viande en fait, et qu'ensuite on achète juste voilà. Et encore, hein, je vais faire un bon gros tri dans mon cellier là, et du coup je vais aussi acheter tout ce qui est pâtes et tout. En fait, je voudrais vraiment pouvoir aller juste pour les courses qu'on peut pas se passer toutes les semaines, le frais quoi en fait. Tout ce qui est mettons charcuterie, les légumes, les fruits, mais tout ce qui est pâtes et tout, j'aimerais bien faire un gros plat en début de mois, un peu comme la viande, et puis après ne plus avoir à m'en occuper dans le mois. Donc du coup je vous mets ici le menu de la semaine. Donc lundi, rouleau jambon, fromage avec pâte bolo. C'est des recettes qui sont déjà sur le blog. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Mardi, salade de blé mexicaine au poulet avec un bœuf carotte. Je vous partagerai des recettes aussi, comme là le bœuf carotte, je vous le partage dans un vlog. Mercredi, les champignons farcis à l'italienne avec des pâtes. C'est une recette que je vais filmer à part, que vous aurez un matin. La soupe crémeuse de poulet riz, c'est une recette qui est déjà aussi sur le blog. Le gratin de crozé, jambon poireau, pareil, c'est déjà sur le blog. Les côtes de porc sauce au poivron avec de la purée de la salade, c'est une recette que je vais vous filmer dans un vlog. Des œufs cocottes au maroilles, une pizza effeuillée, c'est pareil, je vais vous la filmer dans un vlog. Le one pot stroganoff, c'est déjà au bœuf haché, c'est déjà sur le blog. Je vais faire un brie au four avec une couronne de pain, la côte à l'os avec des frites et de la salade, et une salade de jambon. C'est une tartinade, c'est notre repas du dimanche soir. Si vous nous suivez, vous savez que le dimanche soir c'est cool, c'est un plateau de crudités, une petite tartinade qui change en fonction de toutes les semaines quoi en fait, et des petites crudités. Donc voilà pour les courses. Je vous mets, comme je vous ai dit, tous les liens en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure à 18h pour celles que ça intéresse pour un vlog. Bye, bisous. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold.